bas de tableau entre Huesca et Saint-Etienne qui comptent tous deux matchs en retard. Pour Huesca, le dernier succès à domicile remonte au 28 septembre. Depuis, Huesca a plutôt eu tendance à concéder les matchs nuls, 6 en 7 rencontres. Et l'histoire semble bien se répéter au stadium puisque malgré l'ouverture du score par Emmanuel De Georges à la 37e minute, son troisième but cette saison, Saint-Etienne reviendra avec le match nul. Un but inscrit 4 minutes plus tard sur ce coup franc du capitaine Patrice Carteron qui heurte le poteau de Gilbert. Derrière, Jérôme Herceau marque contre son camp.